Bonjour tout le monde, ici Amidou, The Gamer du 76. On se retrouve sans Sensei à Awakening, la version SEA. Tout d'abord, je souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 2019. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes rentrés en toute sécurité, bien sûr, ou que vous continuez à faire la fête le lendemain, en famille et tout ça. Donc, écoutez, moi j'ai une bonne nouvelle pour moi. Pour moi, j'ai une bonne nouvelle, parce que comme vous pouvez voir... Hop, le voilà. J'ai looté Shun. Alors on va l'appeler Shun des ténèbres. Voilà, on va l'appeler Shun des ténèbres. Et je l'ai looté tout à l'heure. Donc c'est quand même une bonne chose. Alors franchement, j'ai eu que de la chance. Honnêtement, je pensais pas que j'allais l'avoir comme ça. Mais c'est tombé quand même. On va un petit peu couper la musique de Noël, parce que c'est un petit peu saoulant. Et en fait, bah, il me restait 10 gemmes. Enfin, même pas, j'avais 9 gemmes. Et vous savez, vous avez des pochettes rouges que vous obtenez. Alors, c'est entre 6h et 8h du matin. Ensuite, de midi à 13h. Ensuite, de 15h à 16h. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez récupérer une pochette rouge. Et dedans, vous pouvez avoir des gemmes avancées. C'est aléatoire, les récompenses sont aléatoires. Et moi, justement, il me manquait une gemme. Et j'ai pu invoquer, justement, en faisant un peu de multi, j'ai réussi à avoir Shun. Voilà, Shun des ténèbres. Donc, ce qu'on va faire, on n'a pas assez pour le monter. Donc, je ferai ça une autre fois. On va aller jeter un coup d'œil sur le marché. Des fois qu'on aurait encore un pack à 10 qui pourrait nous intéresser, on va vérifier ça. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un petit peu dommage. Non, il n'y a rien du tout. Voilà. Ah, il y a un message. Ah, joyeux Noël. 5 gemmes avancées. Et là, voici la récompense habituelle. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre boîte aux lettres, justement, sur la version SEA. Vous avez 5 gemmes avancées. Donc là, si je veux, je peux faire un pool. Ça ne m'intéresse pas parce que j'ai fait les pools de la journée. Et j'ai pu en récupérer, comme vous pouvez voir. Hein, de toute façon, c'est où? C'est là. Voilà, vous avez vu 10. J'en ai fait 10. Donc voilà. Donc en tout, ça me fait 10. Et puis ensuite, après, je peux arriver à la récompense aussi à 40. Voilà. Donc c'était juste une toute petite vidéo pour vous dire que j'avais looté Shun des Ténèbres. Bon, je commence un petit peu à comprendre vraiment le système, justement, du personnage. Et franchement, il a l'air pas mal comme perso de soutien. Donc je pense que je vais essayer de bien regarder les vidéos, par exemple, de Fornax et d'autres joueurs et tout ça. Et essayer de bien le maîtriser parce que, voilà. Bon, je pense qu'il faut quand même pas mal de doublons, mais bon, après, il y a des tomes bleues. Et en SS, pour l'instant, j'ai Katena. Et bon, j'aurais bien voulu looter Hades, donc je pense que je vais peut-être attendre la fin de l'événement. J'aurais quand même cumulé pas mal de choses, puisque là, déjà, je suis au niveau bientôt 40. Donc, 40 avec le truc de la fondation, là. Voilà, je vais avoir 1200. Donc 1200 plus les 600 que j'ai, j'aurai largement le temps de faire au moins d'acheter deux packs à 1000. Voilà. Donc c'était tout pour la vidéo. Donc voilà, bon, j'aurais bien voulu faire le pool en direct, mais franchement c'est tombé comme ça. Je me suis dit, allez, je vais faire 10 pools de la journée. À la base, c'est ce que je devais faire sur la version globale, mais je vous expliquerai un petit peu plus tard ça dans une autre vidéo, car la Poséidon vient d'arriver, mais malheureusement, on n'a pas que des bonnes nouvelles, puisque forcément, tout le monde s'attendait à avoir un Lucky Cat en même temps que Poséidon. Ben, finalement, on n'a pas eu le Lucky Cat, mais apparemment, peut-être qu'il y a deux événements. Bon, peut-être on pourrait peut-être s'enrichir de quelques trucs. Et apparemment, il y a direction sur les packs de Noël. Voilà, on verra ça tout à l'heure en vidéo. Voilà, donc je vous laisse, amusez-vous bien en famille et tout ça, passez de bons moments. Pour vous l'être au jour férié, bon repos pour certains qui se reposent aussi le jour férié. Et on se retrouvera, je pense, sur la version SEA, peut-être le lundi, le dernier jour, où on va essayer de voir si on peut pas pool Hades, ou alors faire un pool de 10 chaque jour, à chaque fois, et éventuellement, si j'arrive à le looter, je ferai une vidéo comme là, comme quoi, que j'ai obtenu tel personnage. Voilà. Donc, joyeux Noël encore à tout le monde. Amusez-vous bien, passez une bonne après-midi et à bientôt sur la chaîne. Lâchez un pouce bleu
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, dans l'espace commentaire. Il n'y a pas de souci. À bientôt.